Salut à toutes et à tous, c'est Mister Espace 3 et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur eh bien, présentation de ma petite collection plutôt jeux vidéo PS4. Donc quand je dis petite, c'est vraiment petite comme vous pouvez voir. 1, 2, 3, 4. 4 jeux vidéo, c'est déjà pas mal. Je pense que vous avez pu voir un petit logo WWE. Ouais, je pense que vous l'avez vu. Comme je vous l'ai dit, petite collection, vraiment petite. Je pense que la vidéo va prendre 1 ou 2 minutes le temps que je parle et tout ça, enfin que je vous parle. Bref, on parle vite fait. Désolé pour le bruit derrière, une petite fête, rien du tout. Alors, on commence tout de suite. FIFA 15. FIFA 15. Musique. Telenovela, ma mère regarde. FIFA 15, j'étais un petit peu, comment dire, impressionné du prix que je l'ai acheté. C'est vrai que maintenant il y a le FIFA 17 et FIFA 15, ça passe hein, un petit peu. Mais voilà quoi. Ah, et d'ailleurs, j'ai pas pu vous le dire. Bonne année 2017, les gars! La fête, bref, je vais pas pu vous le dire vu que voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc désolé. Peut-être, j'ai bien dit peut-être, je ferai peut-être une vidéo pour m'expliquer tout ça. En fait, pourquoi pas en profiter maintenant, c'est simple. En fait, j'ai été en vacances, j'ai fait plein de trucs, l'école, les cours, quoi, plein de trucs, et voilà quoi, j'ai vraiment pas eu le temps, surtout maintenant, mardi, jeudi, 18h50. Donc là quoi, c'est vraiment pas possible. Je peux arriver le soir et faire les vidéos, mais alors que j'arrive, voilà quoi, j'arrive quand même pas à minuit, j'arrive vers 21h, 20h. Très bon, comment dire, c'est le temps que ça dure le foot quoi. Par contre, la caméra là, là je pense que la qualité est meilleure. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? J'étais impressionnée pour le prix. Entre temps, vu le magasin que je l'ai acheté et comment je l'ai acheté, ça m'étonnerait pas. Clé suit, je sais pas si ça vous parle. Easy Cash. FIFA 15 Easy Cash. 2 €. Il y a Easy Cash et Cash Converters. Et je l'ai acheté pour 2 € à Easy Cash. Clé suit, ça vous parle. Continuons ensuite. Impressionné du prix. Hein. Continuons ensuite avec FIFA 16, trouvé à Micromania pour 9,99 €. Occasion, lui également. Pas impressionné du prix. Enfin, un petit peu quand même, mais ça passe. Voilà. Continuons avec. En fait, acheté au même temps, pour le même prix, 9,99 €. 9,99 €. Neymar. Avec PES 2016. Pardon, j'allais dire 19. D'ici PES 2019, on n'est même pas au 18 et on parle déjà du 19. Bref, PES 2019, pas moi les gars, PES 2016, 9,99 €, occasion à Shell 2, Shell, la Shell 2, 9,99 €, occasion Micromania. Et on passe ensuite, ce n'est pas un jeu que j'ai acheté pour 2 € ou pour 9,99 €, surtout pas pour 20. Bien entendu, bien plus, comme vous avez pu voir, je pense que vous reconnaissez la grosse image de Lesnar. Ici, c'était bien entendu WWE DK17. Je n'ai pas dans sa boîte. Normal, j'y joue tout le temps. Enfin, pas tout le temps non plus. Je joue pas tout le temps à ça aussi, je joue aussi du foot. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais faire une petite partie de foot. Ça fait un petit peu longtemps. Bah, il faut que je réfléchisse à quoi entre PES et FIFA. Je pense que je vais faire PES parce que, en fait, c'est dans la Play 3, j'avais l'officiel jeu vidéo de l'Euro 2016. Ça, c'est PES 2016, mais on peut également faire l'Euro 2016. Et donc, j'y ai fait pour tester. Enfin, pour tester, c'est pour tester, oui, mais dans la Play 4, si voir s'il y a une différence, et eh bien oui, je croyais que c'était un bug,
qu'on pouvait changer, qu'on pouvait en fait, c'était les entrées, il n'y avait pas dans la Play 3 et je croyais que c'était... Je croyais que c'était juste un truc dans les options qu'il fallait y aller voir et mettre les entrées, mais non. En fait, voilà quoi. C'est vraiment la Play 3, ils ont pas mis les entrées du tout. Je pense, parce que personnellement, ça ici égale entrée Play 4, Xbox One, entrée Xbox 3.6, je sais pas s'il y a des entrées en tout cas dans la Play 3. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas des entrées, sauf si il y a les entrées, il faudra voir, il faut y mettre. Si il faut y mettre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Entre-temps, on passe à WWE 17. Un jeu vraiment pas mal. Gameplay immersif et bien plus. Je vais vous lire vite fait. Faites l'expérience du gameplay de WWE le plus authentique jamais vu. Avec plusieurs milliers de nouveaux coups et animations, des fractions en coulisses et en arène, et le plus gros roster de légendes et superstars de WWE et NXT. Un truc, voilà. NXT, à ce jour, vous allez vous sentir plus que jamais aux commandes d'un véritable spectacle équipe de la WWE. Suite de créations impressionnantes. Créez et développez votre WWE personnalisé avec la suite de créations la plus élaborée à ce jour. Proposant de nouvelles options de création comme créer une vidéo et créer une victoire. De nouvelles fonctionnalités et du contenu additionnel vous permettant de créer les superstars, arènes et titres personnalisés les plus incroyables qui soient. Le pouvoir est entre vos mains. Façonner votre WWE. Vraiment super. Après, il y a ma carrière et univers WWE avec un nouveau système de promo. Bande sonore par Sin Diddy comme alias Puff Daddy. C'est vraiment un jeu exceptionnel. Franchement, je kiffe. Bien entendu, ma superstar préférée y est, c'est-à-dire... The Phenomenal AJ Styles est dans le jeu et ça me fait extrêmement plaisir. Ils l'ont mis. J'aurais préféré qu'il fasse d'autres collants pour lui, genre une autre animation, mais c'est bien aussi. Je m'en fiche. Ce qui importe, c'est qu'il est là-dedans. Entre temps, vous pouvez y aller dans la communauté de téléchargement de la communauté. En fait, ce que les gens. Mettent en ligne les superstars qu'ils créent, tout ça, et après vous trouverez plein d'autres superstars créés. J'ai Jeff Hardy, j'ai plein d'autres. Après, on peut créer des titres, arènes, tout ce qu'on veut. Ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre l'écran LED. C'est l'écran qui est là. Vous savez où il y a le ring devant, où on voit là le ring. Eh bien, il y a un petit écran où il y a le logo SmackDown Live Raw. Voilà. Bref, les gars, je vous montre ça vite fait. FIFA 15. FIFA 16. PES 2016. Et mon jeu préféré, un de mes jeux préférés, WWE 2K17. Et voilà, les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à partager si la vidéo vous aura plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter. Et moi je vous dis salut et à la prochaine vidéo. Allez, bye.